C'est avec beaucoup de tristesse que l'Organisation des Remparts de Québec a appris ce matin le décès de leur ancien joueur étoile, Guy Lafleur. Dès le premier match de Guy avec les Remparts, une légende était née. Les chiffres ne manquent pas dans le cas du Démon Blond, avec ses 233 buts et 379 points en seulement 118 parties en carrière. Cette moyenne de 1,98 buts par match est la meilleure de toute l'histoire du hockey junior canadien. Il fut d'ailleurs le premier joueur de l'histoire de la LHJMQ à être repêché au premier rang lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Son palmarès avec les Canadiens de Montréal est tout simplement phénoménal. Avec 5 Coupes Stanley, 3 trophées Hart Ross, 3 trophées Lester P. Pearson, 2 trophées Hart et 1 trophée Conn Smythe. Son chandail numéro 4 des Remparts a été retiré le 18 avril 1971, alors que les Canadiens de Montréal ont fait de même avec le numéro 10 le 16 février 1985. Le 28 octobre dernier, c'était au tour de la LHJMQ de retirer son numéro 4 à travers tout le circuit, immortalisant à jamais son célèbre numéro. Au nom de l'Organisation des Remparts, nous désirons offrir nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l'Organisation des Canadiens de Montréal. Guy Lafleur est le plus grand joueur à avoir porté l'uniforme de l'équipe. Il a marqué l'histoire de l'organisation et est devenu l'idole d'un peuple. Il avait une personnalité attachante. Il était reconnu pour son accessibilité auprès des amateurs. Guy Lafleur est une légende et un ambassadeur exceptionnel qui a marqué l'histoire du hockey au Québec, au Canada et partout à travers le monde. Thank you.
que tout va bien aller et que vous allez avoir énormément de succès. Donc, je ne sais pas. Avec un rendez-vous chez lui, puis il me disait, tu vas voir, ça passe vite. Je dois vous avouer des choses que je n'ai pas vu passer. C'est là que nous avons gardé le port de Québec, monsieur Guy. Afin d'accueillir notre